Salut et bienvenue sur Tcha Maloba officiel avec le vôtre Grady Mouya, autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo, Bisika Oyo. Tomesana ko servir bino mikolo na mikolo. Alors, le lot vous allez déjà samedi. Tikana souhaité bino bon début de week-end. Donc, Bisika Banso Oyo Bokolanda. Biso, Bisika Banso Bokolanda. Émission Oyo Tcha Maloba avec. Grady Mouya, merci à toi Penel Mopita, on sera toujours wana pour nous servir biso côté réalisation et montage. Donc Bozali et Belé beaucoup landa biso na ngonga oyo. Alors mokolo ya lelo na ye na coup de gueule topé mise au point moko na ye ko sala parce que République démocratique du Congo est comme lokola bilanga et comme lokola ndako ba soso et comme lokola ndako ba nyama. Donc il y a quelques personnes topé ba kongomani moko ba ko comprendre les sous-sous valeurs ya République démocratique du Congo. Alors avant na kota vraiment na mozindo ya coup de gueule oyo na ko sala na mokolo ya lelo esengeli boy ba ke tango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baxela kai beto moko antombolo azui pouvoir na 2018 akutaki ba ministère ebele ezalaki déjà mais ezalaki na ministère moko ezalaki te ezalaki ministère ya ba personne vivant avec handicap et tango président de la république ayé nde ayé na ilikanisi ya ministère wana ya personne vivant avec handicap a tche ministère wana marche et a pesi yango na mutu oyo ezalaki pe invalide donc handicapé oyo abengami bongo na makombo ya madame Irene. Donc yende azalaki topé azali parce que bientôt là aza déjà kotika ministère wana. Donc yende azali bongo ministre o azali ko chapoter ministère wana ya ba personne vivant avec handicap. Donc président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ayé na ministère wana tango ayé na pouvoir na ye o azwaki na élection en 2018. Atie ndeko Irene lokola ministre pona kumbela masolo ya ba personne vivant avec handicap boye bibi no moro lelo na Kinshasa za raso zo tambola ozali bien ko kende ba victoire ozali ko kende ville o mona ba handicapé topé ba aveugle bazala na ndela tout au long ya route ko senga mbongo ebele pe ba kufa na ba accident ba tout abango ba kufa ba vina bango esila kaka boye ba kenda kaka boye nde likanisi oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baxela kaka beton moko atombolo azwaki pona kotia ministère wana en marche. Alors madame Irene azui masolo abandi ko kumbela masolo e ba handicapé mususu bazala d'accord te na ndenge mama Irene akumbela masolo même ngai Grady Mouya oh, na zali liboso na bino na wako solo na bino je n'ai jamais été d'accord na ndenge mama Irene ayeba kokumbela masolo mais pourquoi Grady Mouya na mokolo lelo aye ko sala coup de gueule oh. Na zotike la bino elema oyo bolanda yango et après na koya na kota soko na détail ya masolo o esengeli ngai na bino to sola na mokolo lelo soki régie ba koloba même langage na ngai ba balancer na ba image oyo et puis on se retrouve tout juste après na ke na place moko ndeko nene na plateau a meminga lobi na mkongo na ke mona ba ndeko place na zo kende ba bazo bisanga ba bi même pas ministre ba mona ete atambote ba pesa ete ba ndeko na zo ko sa te pesa za ba image mi sa telephone na ko mo na ngana ke pesa bino pesa za telephone so yi ma camera boye ya propre na ngana pesa boyo ka o ba bazo loba bazo ba sa su na pesa mama irente ba lobi ce qui président de la république azongisiye soit premier ministre a boulé a za na pesa ka mama na zo nga travailler na ye biso pe to ko telematour oyo to ke na biso te ko to ke ne Rwanda parce que Rwanda bato bazo ke na boko ne ko travailler na ba Rwanda o baza contre Congo biso to za na pesa solution na mboka na biso nde ba ndikapé ba lobi non c'est que yo ke nda ki kuna o sko ke na biso o le nombo ngwe Irene nga ici bongo wana yo wana batomboke linga yingi moko bon suite ezate tu peux pousser suite ezate ba bisi c'est comme ça to zo nga sous pas mokonzi ya mboka bongo na bisi bongo loko bibi to zo nga kota mokonzi ya mboka to vanda to 500 mayele to zo nga kuna parce que dans quelques jours awa gouvernement ko bima voilà. Biso to ko linga te na ministère na biso d'abord un bacha
diaspora oya kembi na poto avant d'ikuna na poto a souffrir ne biso na biso koto te ba yi ba passe pina awa ba yi na yi ba tie awa les deux bazong c'est la biso source de maman Irene to ko linga yango te la maintenant to ko sala to sais qui même pour mon ministre fonction publique to raison même gonza mboka wana ba ko luka être bandiga ba comme entre lo la guerre ya ba teke na bayaka to ko linga yango te maman na biso maman Judith aux en thème ba maman. Pour moi, je suis mokili peu plus de maman. Pour moi, na alata maman de temps. Je suis un peu plus 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 de. Je ne pense pas que depuis famille de Binoué Zalaf, ma famille de Binoué Zalaf, bozanga kozanga bozanga mutu moko te ozala ta personne vivant handicap azala na yango peut-être azongona kimona te atana kibokolo mutu moko azala na yango peut-être pesa bino souci moko boye kanisa ta pona wana boye ke la handicapé mawa handicapé bazana posa ya mutu malamu oya kosunga handicapé les deux azala pe oya koya ko pesa gouvernement na yo lokumu ezala ke ezala moi c'est liboso abimi na Congo comme premier ministre tango okolongwa kabalo bake. Maman wana amakaka histoire na ye na série na ye. Maman fungola misu. Toza disa donc revendication na bino auprès ya tata Mokonza Mboka izali ki lelo yo bino mouvement de réveil. Oui. Bo jugé maman Irene akende na ndope ma parce que bino secteur na bino tambo malamute et que lelo Mokonza Mboka tia liso na ngambo na bino. Alors, si vous avez un moment de réveil, mais tant que vous avez un papa Yaout, tant que maman Irene Avandi, tant que vous avez est-ce que vous répétez que vous avez un plateau? Et vous avez un moment de plateau, vous avez un plateau, vous avez un moment. Non, vous avez un moment de plateau, 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 na lobaki boye maman Irene asungi bandikapé té. Bon ndeko Flavien na kosenga na biso boye peut-être bolingo le contexte que biso tozo chamutu mutu entre biso mouvement de réveil na bandeko na biso ministère parce que d'abord ministère neza ezate que oh bo bata mouvement de réveil oh mi bata ministère non ministère ezé bandikapé biso tozo bandikapé oh toyé pour na changement toyé té pour na kolobaté oh bandeko mouvement de réveil oh bandeko boye biso to kende ka ko réclamer ba droit tant to komi pa ya ndeko na biso azali ministre ya fonction publique ndeko liaou a ebisi biso boye souhait na ye ezali ete kimia ezala kati na biso bandikapé ndenge mokonzi mboka pesi biso ministère wana aza na posa ke amona eloko malamu ebima pa ya bandikapé. De retour sur ce plateau ya Tcha Maloba avec le votre Grady Mouya. Je pense que bolandi ensemble nangai élément oyo ndeko oyo auti koteni ba propos moko oyo ezali ko tombo kisa ngai na mokolo ya lelo. Donc boyebi ki na mesana te kosala ba émission ya ba kanda boye ya ba coup de gueule boye mais soki na sali yango parce que ce monsieur a touché la république. Monsieur, je ne connais même pas ton nom, soko bengami na komboni na ebiote, c'est pour la première fois na mona yo na ba vidéo. Donc parce que poto mobime benginga etindelinga ba vidéo na yo, donc je te connais pas na yebiyote voilà, mais ce qui na ye c'est parce que tu as touché la république en disant que ce qui président de la république azongisi maman Irene topé après si moto mosusu ministère wana ya ba handicapé bino boko sangana bino ba handicapé na ebité ba handicapé ngozolo ba bino soki boza combien soki boza ba na banali je ne sais pas boko telema boko créer guerre na république wana ba koluka être ba handicapé comme entre lo la guerre ya ba teke na bayaka to kolinga yango te boko sala makambo ezo sala na steps monsieur la ndanga ibia soki okoya na video oyo bien ba ndeko o ba okoya na video o ba yebi ndeko oyo ba tindela ye afungola matoyi ayo kanga bien parce que il est en train de toucher la république. On ne blague pas avec la république messieurs, hein? Tu touches la république, tu touches la sécurité du chef de l'état, hein? Non, ok moussika makasi. Soi-disant, monsieur le ministre, parce que il y a une vidéo à Tindelina Ipe, dans le balancier là,
oh bah tout n'est question balobi est-ce que vous êtes prêt bah pe sa yo le lo ministère oh y a bah handicapé alobi oui n'as prêt si quoi y a bien sabiso to comme n'importe n'asuka est-ce que ceux qui balobi ne commencent na akamba ministère vous êtes prêt ceux qui balobi n'as prêté n'as monté le coup tard vous êtes prêt je peux dire oui à quelques secondes qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau aux exaltés les lo D'abord, pour vous dire la vérité, je serai d'abord rassembleur. Oya kolinga sangi sabatu ndeko nyoso bazala ini. Babaka ini fait la force. Mais messieurs, na raisonnement nini parce que là tu es déjà pour encourager la division, pour encourager l'insécurité dans la nation. Na kata république. Et tu te prends comme le futur ministre, il y a un handicapé. Donc, il y a un ministère, il y a un handicapé, ce qui va créer une crise dans le monde. Mon Dieu. Non, non, ça c'est blagué dans la République. Pourquoi ça qu'on sacre dans la République? Il a dit que ce qui va passer dans mon ministère, il y a un handicapé. A ko créé ou écriama na kwa mutu. Vous voyez que kala mingi te président de la République a outu ko yamba ba chef koutimi wana ba créé epé donc ba luki pé ba yokani ba sangani ba sololi. C'est peut-être la fin d'un conflit interethnique qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes et sémé la désolation aux portes de la ville de Kinshasa. Après plusieurs jours de consultations, sous les auspices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les chefs des terres Teke et Aka ont signé un pacte de paix et de coexistence pacifique entre les deux parties. Devant les chefs de l'État, les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Oyo to lakisi yo bomoko ya ba Teke na Moyaka ba pesani mbote signe ya paix. Mais est-ce que tu sais, Bitumba Oyo Yakuamutu, écoutez combien la République? Je ne sais pas si tu es informé. Ces combats, il y a combien de Congolais Bakoufi na Bitumba on? C'est comme si tu es d'entrée je ne sais pas, Yako Lamoussa, Bapote ou Batbazanango. Est-ce que combien de familles va perdre Batunabango? Nabitumba ba mobondo. Oh lelo yo koyi ko lekane mission pour dire que ce qui le président de la République apesi bino ministère bino ngona zo ebate bino na banane. Ce qui apesi bino ministère wana te boko créer crise. Ça c'est blagué avec la République. Ça c'est blagué avec la République messieurs. Tu as quel âge? Oh yo lelo ko telema pour parler na compte la République. Je ne sais pas, Gino Zalango. Mais tu dis nos salles parce que ce qu'on a dit quand même intellectuel, au cocon, le marambo, yo l'obité. Et ça, marambo, son mot, ça touche la sécurité, même du chef de l'État. Ils ont touché la sécurité. Donc là, vous êtes en train de menacer le président de la République. Yé Moutoyo qui dit Bissot Mao, a créé les Bissot, ministère, on a paix à paix, si on a gaga, n'a bateau basé invalide. Mais vous êtes en train de menacer le président de la République. Alors que lorsque le président de la République était informé que vous êtes devant sa maison, il avait délégué trois ministres pour Yok Bayo Kabino, Bosolola. Le président de la République ordonna à la ministre Rwanda, entre autres, ministre à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Ayamba Bino na bureau na Ayamba Bino, bon déposa mémo na Bino. Mais pourquoi passer encore dans des émissions pour parler na Babilo que ont touché sécurité à la République? Non, 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 non. Messieurs, tu dois encore rentrer dans cette émission pour retirer tes propos. Parce que ce que tu as parlé, ça peut t'écouter cher. Tu as touché la République. Au toucher sécurité, il y a pays. Et tu as touché le président de la République. Ça, c'est manquer d'irrespect au président de la République. Deuxième des choses, tu as dit le président de la République ne peut pas nommer comme ministre un Congolais de l'étranger. Quand je parle d'un Congolais de l'étranger, tout mais ça n'a pas bien avant ma diaspora. Mais là, je sais que tu es entré
de toucher M. César Ngadi parce que M. César Ngadi, c'est un nom Oyo, handicapé le nom Bazozela, Mokondi Amboka, a nommé le la ministre. Il n'y a pas personne vivant avec handicap pour bah, on va vivre bien. Ah, la bonne libella. Naye libella, naye libella pour toya ki oyebi toya ki pour na élection législative. Donc, na katani, hein, donc il faut le batezane, tout est qu'il faut chercher la petite bête. Oh, oh, bah, katinga na kadima, tout zuite. Donc, bah, tout zuaki, bah, on te babimi. Donc, et puis, na talaï déjà, na sait déjà programme na ngake, na zoa te na otika la art. Tala, depuis 1988, na Paris, tisugo, d'auto sa éliminé les trop. Tisugo, y'a un tout trouvé, ke bisoto ya siko, ko sale la, mboka. Donc, na bandi, libella, mais bah, zoa, do, tisugo, bah, zoa, ka moke, oh, netilem sousou, ah, azala bala, facha, ou pese bala, ou beba, pese bala, y'a on a vendu tozo bundaka ndengi batutu ba bundeng yo bunda tala yo bonne santé bonne mine. Merci. Et puis avant toke nimiki biso zala ki a c'est ça donc poto et qui passe na awa mais là tu touches monsieur César Ngadi. Est-ce que tu connais monsieur César Ngadi? C'est pour cela que je suis venu te dire la personne qui t'a envoyé enseigner yo bien sur la personne de César Ngadi. César Ngadi c'est un congolais. César Ngadi a fait ses études à Kinshasa. César Ngadi a tangi na école ya Kinshasa. A sali université na na IEC. Na lingio le kapé na mission. O pe sa pe betite fête na yo. Parce que César Ngadi a fait ses études ici. A Kinshasa. Et puis César Ngadi, nga koumou nga César Ngadi, échange tes as koumou nga. Nga pe da, ti na miganda nga mikili. Donc César Ngadi. Bon. César Ngadi na zali, moi na ya papa Ngadi Michel, Ngadi Matundu na mama. Ma vie Nganja ou Marguerite, donc on a 100% mon Congo. Okay. Donc, bête, bête, hein? Papa n'a évi. Oui, oui, bête. Après, donc on a zali ici. Au botam na kin. Na botam na kin, na kin, non, na botam na mama yé, mona. Penza moi na kin, donc kinoa de souche. Na botam ma, on a kin, hôpital général, bah ben hôpital général. Na botam na matongé, na rankin. Si vous avez qui donc Kala, vous avez qui grand qui comme Matongé, voilà. Na pozo à 21, okay. Mais na longwe kuna na âge à 8 ans. Donc là il n'a connu pas d'amis qui kunate. Si vous avez maternelle ou primaire. Primaire, type premier primaire, na maternelle, na bandage kunati premier primaire. Après na yé, tant on a 70, to yé na Mbinza. Ok. À partir y a Mbinza ndé na connu na Mbinza. Na sali makam tu na Mbinza. Ba to matonge na yebi kama na. To lo babla César Ngadi mwa na Mbinza mwa na matonge te. Matonge na longwa ki petit to 8 ans. Donc ou après na ki pe na yebi ki penza te mena yebi ba to kala ba vie na ngande ba ndo zala. Mais si ka ngeza ndé place na koli na sali makambu iza na Montikil. Donc si kota moye trop to yo. Ta boye Montikil. Ba étude de continuer qui va. Ouais, donc étude na matonge na zaki na armée du salut. Ah, attends, on a eu Awa, Nazaki na Sebezo. Sebezo, atteint de Ngaliema, atteint après Nakena Lingwala, après Nazaki Kamwa. Donc, Maye les Alaki, mais Mogo, Baumanis, Maye les Ate, Turbulence, mais Maye les Sueobi, Madame Kili, Nawa, Panabos. Donc, après Nakena Institut du 24 novembre, Nakena Institut du 24 novembre, Nakena Bosekota, Napes en rose, diplôme d'État, après Nakena IEC, Ti, na niveau ya graduat. Après, na okolonga na ke mikili. Et après, nde akenda ki ko voyager pour ke na mikili, apoto mena mikili, apoto César Ngadi, abande ko sala. A sali mo sala na ye. Et d'ailleurs, si tu n'as pas l'information, ce que M. César Ngadi faisait, ou ce que M. César Ngadi azaki ko sala na poto, ça concernait ou etali social. Ya bato bazanga. Si tu n'es pas informé, il y a une émission moto à Tindio, à PSU Information. Oui ou non, Zéla, répondra à non ou bien oui. Oui ou non, Eliezer Tambwe, au hasard honorable, et nous avons Tindio. Nalbika, non. Merci beaucoup. Alors, moi, je t'informe maintenant sur la personne de César Ngadi. César Ngadi, Azali n'a pas ONG naï. César Ngadi, Asungi Batou Ebele. Aujourd'hui, nous, les Gradi Mouya. Ceux qui t'ont commis bah, DG à ma chaîne, c'est grâce à César Ngadi. Est-ce que tu connais la personne de César Ngadi? Pour toucher, y. César Ngadi mérite d'être le ministre chargé de personnes vivant avec handicap. La seule personne aujourd'hui
oyo a koki ko assurer deuxième mandat ya chef de l'État. Je ne suis pas venu ici pour na rosala ki djalelo, mais quand même je dois parler de ces messieurs parce qu'ils méritent. Ils méritent. Tu sais les combats César Ngadi a combattu pour le deuxième mandat du chef de l'État. Tu ne sais pas. C'est pour cela que je répète encore pour te dire messieurs, tu n'es pas informé. Allez chercher encore des informations. Allez chercher encore. Si tu veux être informé, demande au président Rio. Yepi Azali, personne vivant avec handicap. Pe Azali, président. Il y a aveugle Nyon sur l'Afrique. Allez demander au président Rio. Il va t'informer sur la personne de César Ngadi. Donc, ce que moi, je vais te demander, c'est de retourner dans cette émission. Et puis, il y a Koulou Tounabiso Flavia. On a participé à la profité émission Oyo. On retire ma propos Oyo Yo Keiko Loba concernant la République. Tu dois aller. Tu dois aller. C'est une obligation parce que tu as touché la République. Tu as touché la République. Et Koulou Tounangaï Flavia, je ne sais pas comment tu pouvais permettre à ton invité de tenir de tels propos dans une émission. Avec professionnalisme, on a ébio Kouloutou. Nakokyo permettre été, moi, Gradimouya, dans mon émission, laisser mon invité à tenir ma propos pour la République et pour la sécurité du chef de l'État. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas, quel que soit l'argent, je ne peux pas. Je ne peux pas trahir ma nation pour l'argent. Je ne peux pas livrer le président de la République parce qu'on m'a donné l'argent. Non. Donc, messieurs, je ne connais même pas ton nom. Je ne te connais pas. Mais na pesiombe la, Kouébisao était Zonga na émission Oyo Lekaki. Oyo Okeko Loba Maloba Oyo et aussi ma insécurité à Mboka. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, ma maman va se violer na Este. Ba Congolais baza na Sengo. Bande ko na biso bazo kufa na Este. Tuza na Sengo te. Eza lokola nzoto soki li sapeza na pasi nzoto mumbeza na pasi. Donc, tu as le temps de retourner dans cette émission pour na ko retirer ba maloba nyonso oyo o tenir na émission na yo. Donc voilà pour aujourd'hui, tozo boucler awa pour na coup de gueule oyo to yenango ya minute mokie pour na ko zongisa ndeko on a nzela parce que on ne peut pas laisser le temps aux gens aux oiseaux mona pamba valeur la République démocratique du Congo tout ce qu'il a bango temps et na expliquer ndeko qui est monsieur César Ngadi. Alors pour na lelo to suki merci na Penel Mopita qui était derrière la caméra, merci na honorable Jean Moutala, merci na mokope ya ba diaspora oyo azali valable na gouvernement oyo mokonzi ya mboka azolinga apesa ba congolais na madame Judith Touluka Souminwa. Donc madame Judith Touminwa, la première ministre autour ya mbepe lobby na cadre ya association na biso Front des jeunes pour les sursauts patriotiques et Kambamara Bongo na Timothée Lenoir. Donc déjà nazo ça l'appel na ba congomani nyonso mokolo ya lundi le 15 avril 2024, na ngonga ya 15h, Toroya Mbabongo, madame la ministre Judith Touluka Souminwa, na place Oyo, et yebani bien, zali na ma campagne, la grande marmite, donc ils ont en diagonale, na lolo la crevette, ils ont place Oyo, papa Wemba tourna film et à la vie est belle, ça les a lu en Akitoko, alors ils ont contenu plus de 2500. Personne donc tout bengi ba jeune nyonso ba ne Congo pe ba jeune congolais nyonso ba yawana pona kusulula na madame Judith Souminwa Touluka. Donc par ici que nous bouclons cet élément. Alors comme j'ai toujours l'habitude de dire, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très très bientôt.